Golf Mag est une présentation d'Azimut Leadership. Augmentez vos profits, dominez votre marché. Cette émission a été enregistrée au Club de golf de Victoriaville. Quelques kilomètres seulement d'ici, de l'hôtel Le Victorin, se trouve un parcours de golf qui a plus de trois quarts de siècle d'existence. Plusieurs considèrent même qu'il se trouve dans la capitale du golf au Québec, c'est-à-dire Victoriaville. Je vous amène donc découvrir notre parcours vedette cette semaine. Le parcours de Victoriaville est un excellent test de golf. Cette normale 72 s'allonge jusqu'à 6709 verges des départs hors. Le parcours a une histoire pleine de rebondissements. Incendie du chalet, suivi d'investissements majeurs et de construction d'un nouveau 18 trous en 1960. On peut dire sans se tromper que le club de golf Victoriaville est parfaitement équilibré. Il compte en effet 6 normales 3, 6 normales 4 et autant de normales 5. Alors je vous le dis tout de suite, il faut en profiter sur ces trous-là et faire le plein de birdies. Parce qu'autrement, sur le parcours, vous allez retrouver 66 fosses de sable et surtout des verres de belles dimensions sur lesquels il va falloir viser au bon endroit. Parce que ce sont de véritables verres signés Howard Watson avec des ondulations parfois très sournoises, comme ici, au 14e. Les golfeurs de partout au Québec s'entendent pour dire que c'est l'un des plus beaux designs de la province. La rivière Nicolet sillonne le parcours. Les arbres matures sont de toute espèce. On propose un paysage magnifique. ans après le Béliveau Perrault, 20 ans après l'Omnium du Québec et 10 ans après le tournoi Gilles Marotte, le club de golf Victoriaville avait besoin de se trouver un nouvel élan. En effet, depuis 2013, le club de golf reçoit la Coupe Canada Sanimarc-Desjardins, qui regroupe les meilleurs golfeurs en Amérique du Nord, dont fait partie notre pro-maison, Jérôme Blais. D'ailleurs, Jérôme a déjà remis une excellente carte de 66. Bravo, Jérôme! Le conseil de golf est enregistré au club de golf L'Express et est une présentation de Mulligan Centre du Golf. Voici Jérôme Blais, professionnel en titre au golf Château-Bromont. Aujourd'hui, on démystifie vraiment pourquoi il faut bien dégager le pied arrière lors de l'élan. C'est quelque chose que beaucoup de gens ont de la difficulté à faire. Des fois, on voit des tentatives que le pied lève, mais il reste encore beaucoup de poids sur les orteils. Donc, le pied arrière, s'il ne dégage pas au complet, ça l'occasionne plusieurs problèmes. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous expliquer, en dégageant bien le pied arrière, ce que ça va nous permettre de faire. Première des choses, il faut vraiment sentir que le genou arrière vient coller le genou avant et que le pied soit vraiment relevé vers le ciel. Très, très important. Ce qui me permet d'avoir une pleine rotation de mes hanches. Donc, si je garde mon pied un peu à moitié levé et avec du poids sur le bout des orteils, c'est impossible de tourner mes hanches comme il faut et de bien compléter la rotation de mon élan. Donc, première des choses, en dégageant bien le pied arrière, ça me permet de bien tourner mes hanches. Ça me permet aussi d'amener mon poids presque à 100% sur ma jambe avant lors de la finition. Et surtout, ça me donne l'occasion d'aller porter mes mains en extension le plus loin possible vers la cible afin de compléter l'élan. Lorsque je reste pris sur le pied arrière, c'est très difficile d'aller porter le bâton en extension. Donc, ce qui arrive, c'est que je viens finir avec mes bras et je perds énormément en direction et en puissance. Alors, en résumé, il faut vraiment sentir que le pied arrière dégage bien pour que les hanches tournent bien et qu'on soit en mesure de bien extensionner les bras vers la cible pour un maximum de distance et de direction. Sur ce, bon golf! Il n'a pas perdu la touche, même s'il est ici depuis l'année de ma naissance. Je vous dis pas quand, mais il est pro en titre depuis 33 ans au club de golf de Victoriaville. Pierre, comment se passe la saison? Ça va super bien. Mère Nature nous aide beaucoup. Puis en plus, que notre terrain est magnifique. Puis le monde est heureux. C'est ça qui est le fun. C'est tout le monde est de bonne humeur. Puis
On ne peut pas demander mieux. Vraiment, c'est incroyable. Génial. Très, très bon. Et Pierre est disponible l'hiver pour des leçons. Sinon, bien, venez le saluer à la boutique, il est toujours là. On a une très belle boutique. Ça va nous faire plaisir. Alors, restez là. Après la pause, on joue le trou vedette de la semaine avec le président du club. La direction du conseil d'administration a été confiée à Philippe-André Champoux, jeune homme d'affaires dynamique, propriétaire de deux succursales Jean Coutu de Victoriaville et aussi passionné de golf. J'ai le privilège d'être en compagnie du jeune président du club de golf de Victoriaville, Philippe-André, qui a accepté un mandat il y a quelques mois à peine. Qu'est-ce qui t'a motivé, stimulé à accepter ce mandat-là? Bien, d'abord, on me l'a proposé. J'étais un peu surpris de ça, qu'on voulait me faire confiance, mais j'ai été flatté. Je suis président du conseil d'administration du club de golf Victoriaville et Laurier, parce qu'on est des actionnaires des deux terrains. Puis on a beaucoup de projets qu'on veut mettre en branle, donc je suis juste très content de m'impliquer de cette façon. Qu'est-ce qui s'en vient dans les mois, les années à venir? La qualité du terrain, la qualité des installations, pour moi, c'est primordial. Quand je dis pour moi, il y a tout un CA, il y a une équipe derrière ça. Je pense que les gens s'en rendent bien compte qu'on a un superbe terrain en plein milieu de la ville. C'est un attrait touristique très intéressant, très important, un moteur économique. Et à moyen et long terme, écoute, on a des projets qu'on a déjà annoncés à notre club sœur, qui est le Laurier, au niveau d'une terrasse ici à Victoriaville. Est-ce qu'on peut, à un moment donné, je pense peut-être à l'amélioration d'un champ de pratique. On y va une chose à la fois. Non, on consolide bien, mais on a des bonnes idées, je pense, qui vont se réaliser. Parle-moi du membership. Y a-t-il une espèce de symbiose, de communication qui se crée à travers les membres et pour justement stimuler la pratique et amener de la relève? C'est évident. C'est sûr qu'on a pris bien soin d'améliorer, d'attirer les juniors, les membres intermédiaires avec des prix qu'on a énormément coupés. Et ça a porté ses fruits. On a beaucoup de nouveaux membres juniors intermédiaires. Et les parents suivent aussi. Le Green Fee cette année, là, de gens qui viennent explorer notre terrain. Puis ça leur permet de l'apprécier. Génial. Et puis, c'est ensemble qu'on va jouer le trou vedette cette semaine? Absolument. Ça me fait plaisir. On va jouer quel trou? On va jouer le trou numéro 2. Belle normale 3, je pense. Hein? Oui, exactement. Excellent. Le deuxième trou est une normale 3 qui peut se jouer jusqu'à 199 verges. C'est l'handicap 10 du parcours. Prendre une lunette pour s'assurer de la bonne distance. Ça. Voilà. Alors, Philippe, moi, ici, là, quand j'arrive sur ce trou-là, ça me rappelle tellement de souvenirs, un espèce de flashback. Il y a quelques années, j'avais participé à une Coupe Canada Sanimac Desjardins. Je ne sais pas avec quel pro jouait, mais je me souviens que c'était l'une de vos belles normales 3 ici à Victoriaville. En fait, l'une de vos 6 normales 3. Effectivement, c'est une belle normale 3 qui nous permet de sortir un fer pas trop long quand même parce qu'on est en début de parcours. Ouais. Fait que c'est intéressant. Souvent, on a un petit peu le vent de face, fait qu'il va falloir négocier ça. Oui, parce que j'avoue, ici, autour des arbres, on est un peu enclavé, mais au-dessus du verre, c'est assez dégagé. C'est quand même bien protégé. J'ai l'impression que la fosse de gauche est vraiment près du verre. C'est un verre bien protégé, avec deux trappes. Une qui est un peu plus courte à droite, celle de gauche qui est plus près du verre, qui peut me donner un peu plus de fil à retordre à l'occasion. Ouais. Mais un verre quand même assez intéressant, réceptif, plus plat un peu que la moyenne. OK. Fait que jouer une pine rouge ici, c'est un petit peu moins tannant que sur d'autres verres. Bien, c'est ce que j'allais te poser comme question. Je regarde le positionnement aujourd'hui, là, c'est vraiment avant-droit. Est-ce qu'il y a un endroit particulier que tu privilégierais là, pour cette approche-ci? C'est rester à court, un petit peu à gauche, au centre? Moi, j'essaierais de jouer la pine rouge, pas plus qu'une blanche, je dirais. Là. Ouais. Fait que... Puis je vais essayer de garder le centre du verre. Je pense que ça va être une bonne option parce qu'il ne faut absolument pas aller à droite. Bon, j'ai vu sur la carte, c'était autour de 180 verges. Je vais juste prendre la distance très précise. Ouais, j'ai exactement 180 verges. Fait que c'est pas mal ça. Moi, j'aime bien faire 6. J'ai la même chose que toi. Alors, je te laisse les honneurs, mon cher. Oui, je vais voir ça. Est belle. Ça devrait être bon, ça. Il est bien frappé. Ouais. Oui. Je vais essayer de suivre tes traces. C'est ça. En tout cas, tu avais une belle ligne. Hein? Tu oui. étais vraiment là, bien dirigé. Ça, c'est ça. Ça.
OK, on va aller voir ce que ça donne. J'espère que t'as bonne place. Ça va être bon, ça. J'espère. La bonne nouvelle, Philippe-André, c'est que j'aperçois nos balles. Oui. Excellent, excellent. Sur le verre en plus. Ouais, bon, ben on va pouvoir poter. Ouais, Philippe, on a deux balles sur le verre. Mission accomplie, excellent. Mais parle-moi de la grandeur des verres ici. Est-ce que tu dirais que ce verre du trou numéro 2 est proportionnel ou très similaire aux autres? Ou c'est quoi sa dimension, là? Écoute, la grandeur est pas mal comme les autres, mais il y en a certains qui sont plus grands. Côté, okay. Par contre, au niveau de la dénivellation, profitons-en pour la caler, parce qu'on va trouver quelques embûches sur les prochains trous. C'est un peu plus vallonneux. Je comprends. Oui. Ouais, la bonne nouvelle, oui, c'est vrai qu'on est sur le verre, mais moi, j'ai un beau roulant en descente, puis je viens d'avoir un souvenir de ce que tu as dit au terme de départ. Rester en bas du trou avec une pine rouge. J'ai pas écouté tes conseils. T'es un bon professeur et je suis un mauvais élève. On n'a pas le même pote, effectivement. Non, moi, je vais lire ça attentivement parce que ça roule sans doute pas à peu près. Bon, ça va être en descente. Je vais essayer d'être précis et délicat là-dessus. Comme ça. Ça devrait pas bouger trop. Ah, c'est juste à court. Il manque pas grand-chose, mais... Ça va être une normale facile. Fallait être délicat quand même, hein? Ouais, t'as raison. Mais toi, tu vas pouvoir te permettre d'être un petit peu plus agressif, Philippe, là. Faut que j'en mette un peu plus que toi. À quoi ça va ressembler, ton roulé, ta position? Mon target, c'est d'en l'envoyer à peu près un pouce en haut du trou. Fait que je vais te faire ça. Super. J'étais un petit peu... il manquait un peu de force, quand même. Ouais, il t'a manqué un peu d'agressivité. Ouais. Une petite normale facile, c'est payant sur des normales 3. Bien joué. Hey, merci de nous avoir permis de jouer ce trou vedette aujourd'hui. Un grand plaisir. On va te jouer le trou suivant? C'est sûr. On sort nos drivers. Ouais, premier par 5 de la journée. On y va. Excellent. Ouais. Restez là, Golf Mag se poursuit après cette pause. Rencontrons maintenant le directeur général du parcours de Victoriaville, Alain Dano. Alain, ça fait... déjà 10 ans que tu es ici, ça passe vite. Ça va tellement vite. Effectivement, ma 10e année au club de golf de Victoriaville et au club de golf Laurier, parce qu'on a deux clubs. Oui. Alors, ça va extrêmement vite, effectivement. La saison est belle. Je regarde autour de moi, c'est beau, c'est vert. Vous avez un décor tout aussi enchanteur année après année. Quelle est la philosophie du club? Je ne veux pas dire nécessairement depuis que tu es ici, mais de façon générale, c'est quoi l'approche? C'est sûr qu'on a une approche qui est très conviviale. On veut vraiment être très, très accueillant. On essaie de faire en sorte que les gens qui viennent ici, autant les membres que les visiteurs, se sentent bien pour qu'ils puissent avoir le goût de revenir. On essaie de favoriser, évidemment, le renouvellement du membership vers la jeunesse. Oui. C'est très important. Cette année, on vit quelque chose d'assez exceptionnel, d'ailleurs, avec toute la situation sanitaire. On a des nouveaux membres, des nouveaux jeunes membres, et puis on l'apprécie vraiment énormément. Le club a 75 ans. Il fut une époque où c'était difficile pour les gens de l'extérieur de venir parce que c'était plus privé. Mmh. Vous avez la chance d'être situé, géographiquement parlant, là, au cœur du Québec le plus populeux. C'est quoi votre pourcentage de gens qui viennent jouer de l'extérieur pour apprécier votre parcours? Bien, écoute, on a tout près de 10 000 green fees annuellement ici. Quand même. Là.
C'est quand même beaucoup. Beaucoup de tournois qui se tiennent ici parce que, évidemment, c'est central. Alors, une entreprise qui travaille avec tout le Québec, mais de se retrouver à Victoriaville, ça centralise tout le monde. Alors, c'est peut-être un petit avantage qu'on peut avoir, effectivement. Là, on est derrière le verre du 17e, ouais. Là, mais juste avant ça, il y a un peu une séquence qu'on peut appeler peut-être votre Amen Corner. Non, je veux pas en parler. T'as encore mal à la tête, quoi? Parce que j'ai bien la misère avec ces trous-là. Ça va bien jusqu'au 13, puis on arrive au 14. 14, 15, 16, 17, là, c'est vraiment la Amen Corner, effectivement, puis c'est difficile. Le 14 est le trou le plus difficile du parcours. C'est une normale 4 qui, écoute, fait au-delà de 400 verges. Droit, quand même assez étroit. Alors, pas très permissif, mais je veux dire, c'est un des beaux trous, par contre, du parcours. Dépendamment aussi si on le joue en arrière ou bien en avant, dépendamment du calibre de jeu. Le 15, une normale 3, qui ressemble un petit peu à celui qu'on a ici derrière, le trou numéro 17. Le 15 et le 17 se ressemblent un petit peu. La seule différence entre le 15 et le 17, c'est que le 17 a une rivière du côté gauche. Ouais. Mais ce sont deux trous à peu près en équivalence au niveau du nombre de verges. Là. Ça joue autour de tout près de 200 verges sur les bleus en arrière. Alors, quand le vent se met de la partie, là, c'est très difficile. Et le numéro 16, c'est le par 5 le plus difficile, qui longe la rivière tout le long, et assez étroit. Dans l'arrière, là, tout près de 560, 580 verges, ça donne tout un défi. Avec un vent défavorable, là, ça commence à être longtemps. Évidemment, le magnifique 17e, qui est une belle normale 3. Alain, merci beaucoup pour l'accueil. On va te souhaiter 10 autres belles années, au moins ici, au Club de golf de Victoriaville. Bien, merci, très gentil. Toujours les bienvenus. Merci. Compte en commun, Tiger Woods, Rory McIlroy, Dustin Johnson, Jason Day et Ricky Fowler. Ce sont tous des joueurs TaylorMade. Et à la chronique équipement aujourd'hui, on vous parle du nouveau driver Sim. Voici la chronique équipement, une présentation de Mulligan Centre du Golf, maintenant à Belle-Oeil et au quartier 10-30. Cette année, chez TaylorMade, on a une nouvelle série, la série Sim. Dans le fond, ils ont vraiment construit une tête qui s'appelle Shape in Motion. Il y a trois têtes dans cette série-là cette année. On va avoir une tête qui est vraiment faite pour corriger la slice. Le poids va être un peu plus vers le talon pour vraiment nous aider en tant que tel pour éviter ce petit crochet-là, pour peut-être sortir du fairway. La deuxième tête, on va avoir dans le fond la tête Sim qui est peut-être un petit peu plus de qualité. On va avoir une tête qui ne va pas nous fermer de porte en tant que tel. On va avoir un poids qui va être capable de bouger de l'orteil jusqu'au talon. Ce qui va nous apporter vraiment de l'efficacité si on a une balle qui a une tendance à aller à gauche ou une balle qui a une tendance à aller à droite. On va être capable de bouger notre poids justement pour peut-être orienter notre balle où qu'on préfère. Le C-Max, c'est quand même assez le fun. On a une tête qui va nous donner un petit peu plus de facilité à avoir des bons contacts, qu'on appelle dans le fond le sweet spot. Il va être un peu plus gros que le Sim en tant que tel. Donc, c'est vraiment la tête pour monsieur, madame, tout le monde. TaylorMade ont créé un bâton pour accélérer notre vitesse d'élan. On a découvert avec les années qu'avec une vitesse d'élan un peu plus rapide, on va aller chercher le maximum de distance au niveau de la longueur de notre drive qui va faire en sorte qu'on va sortir plus facilement du cercle de départ. Au niveau de la face cette année, TaylorMade ont gardé la technologie Twist Face. C'est vraiment une face qui nous a prouvé qu'elle nous aidait en tant que golfeur pour garder des balles un peu plus droits puis centrées. Là. Au niveau du cosmétique, on a vraiment une tête qui n'est pas traditionnelle, ce qui fait un peu différent des autres années. On a vraiment axé sur une tête qui est plus au niveau de l'aérodynamisme, qui donne un beau petit look, puis surtout à l'adresse, là, c'est toujours fun à regarder quand on sort du terre de départ. Lors de notre séjour dans la région des Bois-Francs, l'équipe de Golf Mag a été accueillie au Victorin. Cet établissement hôtelier 4 étoiles vous propose 152 chambres, de nombreuses salles de réunion multifonctionnelles et est au centre de vos activités. Que vous soyez sportif, amateur de plein air, désireux de vous faire dorloter ou d'organiser un séjour d'affaires, le Victorin vous propose une multitude d'activités et de forfaits adaptés à la raison de votre séjour dans la région du centre du Québec. Les chambres climatisées sont confortables et l'établissement comprend plusieurs équipements de loisirs, notamment piscine, sauna et jacuzzi. Lors de votre prochaine visite dans le coin, je vous suggère fortement de passer un week-end complet parce qu'une partie de golf à Victoriaville, c'est pas assez. Une deuxième, c'est bien, mais il y a aussi le club de golf Laurier qui est un parcours associé et qui vaut le détour.
Merci de nous suivre et on se revoit très bientôt. Bonne semaine et bon golf! Suivez Daniel Melançon sur Twitter. Aimez notre page Facebook. Golf Mag vous a été présenté par Azimut Leadership. Augmentez vos profits, dominez votre marché. Cette émission a été enregistrée au Club de golf de Victoriaville.